Gang, Romine sur ma chaîne YouTube. Joyeux lundi. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire un petit vlog de notre semaine. So, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Jennifer, j'ai 21 ans. Là, je présente mon petit cobaye de la semaine. Ça, c'est Sam. Puis là, comme je vous dis, aujourd'hui, on est lundi. Il est présentement 11h27. Puis on est en train de préparer un petit comme déjeuner slash dîner. So, on va vous montrer qu'est-ce qu'on est en train de préparer les macaronis au fromage. Mais nous autres, on a décidé de monter ça une coche de plus, puis mélanger le jalapeno et cheddar, ben le jalapeno fromagé et le flaming hot ensemble. Ça, on va faire ça un petit testage de goût avec vous. Puis après ça, on va vous amener avec nous autres pendant la journée. On sait pas vraiment pas quoi ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais regarde, là, on va montrer le résultat final une fois bien mélangé. Voilà à quoi ça ressemble. So, on était un peu long. Ça fait un peu. Disons, on était un peu loin. Ben, ça fait un peu longtemps que ce trend a passé un peu partout. Tu sais, sur Instagram, sur TikTok, sur toutes les plateformes. Comme le macaroni Cheetos. Ça fait tellement longtemps qu'on voulait l'avoir au Canada. Puis là, on a finalement. Là, on va pouvoir vous le tester ensemble. On est en train de le mettre dans deux bols. Puis, on va voir la réaction de chacun sur nous. So, on va aller préparer ça. Puis, on va se mettre à table. Puis, on va faire la dégustation ensemble. Là, ça fait même pas 5 minutes plus tard. Voici mon plat. C'est ce que moi, je vais manger. Là, je vais vous faire un petit testing. J'ai de l'eau à côté de moi. So, je vais en prendre peut-être 2-3. Ça arrête de brûler la gorge à Sam, mais c'est drôle. Bon, on y va. Ah, oh, tabarnache. Oh my god, ça pique en Moses, là. Je sais pas comment que le monde font pour pas que ça leur pique la gorge. Ah ouais, attendez une seconde. Ok, bon, là j'ai réussi à prendre de l'eau. Bon, on va manger nos bouchées, voir si je suis capable. Ta deuxième bouchée est moins pire. Parce qu'on a pris de l'eau, ça c'est comme. Je sais que dans les commentaires, vous allez rire de moi, mais je vais continuer par m'expliquer un peu pourquoi je fais ce vlog. J'ai décidé de faire un autre vlog de ma semaine parce que je manque d'idées vraiment dans les vidéos de maquillage. Puis, une fois de temps en temps, ça fait du bien de prendre un break. Venez avec nous pendant notre semaine, venez voir ce qu'on fait. On n'est pas vraiment des personnes qui font grand chose dans la journée, mais tu sais, on va essayer de vous montrer comme on fait la trottinette électrique. On va essayer de vous montrer un peu plus Saint-Amable, tu sais, comme on va montrer certaines places qu'on va visiter, tu sais, vous allez voir des belles places, à faire de même. So, venez avec nous dans cette semaine, puis vous allez capoter. So, là, je vais finir de manger ça, puis. C'est ça. On va finir de manger, puis on laver les bols, faut que je place la vaisselle, puis après ça, ben. Après ça, on va partir chercher un café, puis je vais me préparer avant, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais pour mettre ma crème solaire, parce qu'il fait assez chaud, puis la crème solaire c'est nécessaire, si on se retrouve dans peut-être 5 minutes. Pour vous autres. Moi, ça peut être 10 minutes, 15, 20 minutes, ça. À tout de suite. Après une vingtaine de minutes que j'ai dernièrement vlogué, on a fini de manger, j'ai fait de la vaisselle, puis là on est dehors en ce moment. Je vais aller me chercher une bouteille d'eau parce qu'il fait chaud en Moses. Puis c'est ça, on s'en va pour partir en trottinette, aller chercher un café. C'est ça, je vais essayer de trouver une bouteille d'eau. Je prends ma dernière bouteille d'eau. Désolée que vous voyez tout. Bon. So, j'ai ma bouteille d'eau. Mon chat me repète. Je vais me fermer la porte d'en face.
c'est là, je vais vous montrer une autre trottinette. Vous avez, la dernière fois que j'ai fait le vlog, mais dans mon dernier vlog, vous avez été là à unboxer cette trottinette à mon chum. Ça, je vais vous la montrer plus. Lui, il y a la GoTrax XR Elite, je pense, je sais pas. Si vous voyez ici, quand il break, ça fait flasher la lumière, ce qui est extrême pour la nuit. Il est allumé, regarde. Ça fait ça de même. Ça, là, on a la batterie est dans le deck, ça veut dire qu'elle est en dessous de ça. Tu as le stand qui est là. Ça, si on monte ici. Accessoire que vous avez aidé à unboxer, c'est les clignotants. Là, ils fonctionnent pas parce qu'il fait quand même assez chaud. Ok, ça là. Ça, c'est les clignotants. On les utilise beaucoup le soir. Ça, c'est la lumière qui vient déjà avec. Ça, c'est la petite cloche. On va aller faire la mienne. Je vais vous montrer ma trottinette à moi. Moi, j'ai la Over. C'est quoi? Voilà à quoi ça ressemble. Moi, la batterie est ici. Elle n'est pas aussi performante que celle dans mon chum. Ça, je peux faire un petit side-by-side comparaison. Moi, j'ai une lumière qui n'est pas intégrée comme que lui. Puis non plus. Mais moi, je suis supposée d'avoir une... Comme vous voyez, moi, j'ai... Si je vais faire ça de même, on va l'allumer. Ben là... On va vous laisser là-dessus, on va se rejoindre. Ben c'est ça, j'ai aussi ici, mais je l'allume, j'ai tendance à pas l'allumer, j'aime mieux allumer ma petite lumière ici, parce que ça bouffe la batterie en masse, puis mon chum, lui, avec cette trottinette, peut faire 20 km, moi, je peux faire 10 km. Si jamais vous êtes tanné à marcher dans votre vie, ou ça vous tente de vous déplacer, je vous conseillerais vraiment une trottinette électrique. La vidéo n'est pas sponsorisée par aucune autre de ces marques. Je vais juste donner mes opinions honnêtes puis être honnête avec vous. C'est là, on va aller chercher notre café puis on va se rejoindre au McDo. So, à tout de suite. Vous voyez, maintenant, on est rendu au McDo. On vient juste d'arriver. So, on a fait même pas un kilomètre puis j'ai encore toutes mes cosses de batterie. So, c'est ça, on va prendre un café puis tout là, mon chum est parti à la banque chercher mon argent parce que on a fait une, mais on a travaillé pour son voisin la semaine passée, vendredi passé. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo vendredi. Je sais vraiment pas comment placer mon tripod, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo vendredi, c'est parce qu'on travaillait avec son voisin. Puis je me suis fait 50$ travailler pour une journée. C'est quand même correct. C'est correct faire ça. C'est là, il va aller me chercher mon argent. Comme ça, ben, je serais pas obligée de gaspiller mon argent dans ma carte débit pendant une couple de jours. Ça, c'est ça. Alors, aussi pour vous dire que j'avais une vidéo mise en ligne aujourd'hui. Aujourd'hui qui est lundi. Vous l'avez déjà sûrement vu. C'est mes top 3 produits favoris de chaque catégorie de maquillage. C'était vraiment une vidéo très très fun à faire. Puis j'ai aussi un TikTok mis en ligne. Comme vous savez, je mets des TikTok. J'ai commencé à mettre des TikTok à tous les jours pendant 30 jours pour les 30 jours à apprendre à se connaître. Puis là, je suis rendue à jour 17 sur 30. Mais comme vous voyez, aujourd'hui ça va être 17, demain ça va être 18. So, je bois mon eau en attendant. Je vous conseille vraiment de vous hydrater parce que il fait chaud. Aujourd'hui, on est pas, il fait pas si chaud que ça, si on est quand même bien. Mais tu sais, il fait vraiment chaud. Puis tu sais, regarde, tant que je suis là, je vais faire une petite annonce cette vidéo. Si vous aimez ça, que je fasse des vlogs, je vais peut-être commencer à en faire de plus en plus. Puis peut-être pas juste des vlogs de semaine, peut-être juste des vlogs de ma journée. J'ai goût de faire un day in my life, comme une journée dans ma vie. Mais ce serait pas tout de suite que je vais faire ça. Je vais peut-être attendre éventuellement, juste dans une couple de mois, peut-être commencer à faire des vlogs de pratiquement tous les jours. Je sais pas si ça vous intéresserait, mais tu sais, soit ça ou soit je me crée une deuxième chaîne YouTube. Ça pourrait être ma chaîne YouTube de vlog, parce que tu sais, j'ai mon trépied, puis tu sais, c'est vraiment le fun de faire des vlogs pour vous autres. C'est ça, je sais pas d'autre quoi d'autre dire. En même temps, comment allez-vous? Comment a été votre fin de semaine?
Ma fin de semaine a été correcte. C'est la fin de semaine des ventes de garage ici. On était comme fouinés. On a rien acheté, ce qui est rare de moi. Mais on se promenait en trottinette. On était allé voir des amis. Puis ça, c'était vraiment le fun. Puis on a relaxé pour de vrai. Là, il faisait ben trop chaud non plus. On était à la piscine. Moi, je me suis complètement pété la gueule. Mais je me suis pété comme le visiteur. Mais c'est pas pété. Je me suis pété le genou parce que on roulait en trottinette puis j'ai pogné une grosse, tu sais, les gros nids de poule là, j'ai comme fait un même pont puis j'ai comme flyé. Ça, ma jambe était complètement blessée puis j'ai aussi mal à l'épaisse. Ça fait vraiment du bien de pouvoir faire la trottinette parce qu'au moins, tu sais, je peux au moins essayer de moins marcher sur ma jambe, ce qui va faire guérir le processus un peu plus long. Attends encore que mon chum m'amène mon argent. Puis, je vais aller me chercher un grand café glacé au caramel. Je dis, je prends varié, mais là, je vais faire un petit switch-up et prendre caramel. Je sais qu'il y a aussi chocolat, mais je sais pas. Avez-vous essayé le café glacé au chocolat chez McDo? Si oui, ben mettez-moi les dans les commentaires, comme ça, ben, mais que je finisse les vlogs, ben, je vais pouvoir faire ça. Là, il y a quelqu'un qui me regarde. Sinon, c'est l'affaire que j'aime pas trop de vlogger, c'est que le monde me regarde. Et tu sais, qu'est-ce que d'autre? C'est là, je vais attendre que mon chum revienne, puis comme j'ai vraiment pas grand chose à dire d'autre, je vais attendre que mon chum revienne, puis c'est ça. À tout de suite. On a finalement eu notre café, il est là aussi. Ça, moi, mais comme je vous ai dit, j'ai pris un café glacé au caramel, mais je demande tout le temps un extra shot de crème, parce que juste ça goûte bien trop fort sinon. C'est là, voilà à quoi qu'il ressemble, c'est full beau. J'ai un petit truc pour vous autres, quand il fait chaud, puis ben, tu sais, quand il fait humide, puis vous savez que tu sais, vous allez marcher avec votre café pendant très longtemps, puis tu sais, que vous le mettez dans votre porte-gobelet, puis si vous vous rendrez chez vous ou à votre destination finale, puis vous remarquez que votre café est rendu complètement de l'eau, demandez juste moins de glace, ça va vous sauver la vie. Moi, je l'ai pas fait, non, je l'ai pas fait parce que je suis niaiseuse, là, j'ai oublié, là. Ça, tu sais, un peu. Voilà à quoi ça ressemble. La dernière fois, je vous ai montré un peu, il faisait bien trop soleil. Là, il y a un peu moins de soleil, ça vous pouvez voir. Mon chum, il est là aussi. Ça, c'est ça. On va finir notre café, puis on va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est sûr qu'on va faire ça à tous les jours. Tous les jours, on va vous montrer un peu plus de la ville. Parce qu'on peut pas tout. Je ne vais pas non plus trop vous montrer tout dans la même journée, puis que les autres journées du vlog, ça va être vraiment plate. Mais demain, on va packer un pique-nique puis on va aller manger au parc qui s'appelle le parc du Rocher. Oui. Attends une seconde, ok? Demain deux secondes. Excusez-moi, il y avait deux chars de police puis je voulais absolument voir ça. Je pensais qu'on pensait pour de vrai qu'il allait vraiment comme coller quelqu'un, mais non. Là. Bon, c'est ça. Comme que je disais, tu sais, demain on s'en va au parc du Rocher. C'est un beau parc puis on va pouvoir faire un pique-nique là. On va pouvoir vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est un très beau parc, puis c'est protégé par la faune. C'est que avant il y avait des feux d'artifice qui se faisaient là, mais depuis que c'est protégé par la faune, ils n'ont plus le droit de faire des feux d'artifice là. Puis aussi, si jamais le soir, si jamais un des soirs on arrive à vous trouver des feux d'artifice, parce que du monde aime ça, péter des feux d'artifice pour aucune colline de raison, je vais vous montrer ça dans le vlog, ne vous inquiétez pas. Là, on va finir notre café et on va aller vous montrer des places. On se revoit tantôt. Après une vingtaine de minutes qu'on s'est dernièrement vu, là, je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant de Saint-Amance. Si jamais vous venez ici ou vous décidez d'emménager ici ou vous connaissez quelqu'un, tu sais, qui veut emménager ici puis que c'est, disons, si jamais il aime ça faire du tennis, il y a, je sais, moi-même, je ne savais pas, mais il y a un terrain de tennis à Saint-Amance. Dans un plein milieu de nulle part, il y a un petit parc pour les enfants aussi. Que vos enfants peuvent jouer là pendant que les parents font là. Puis c'est vraiment dans un beau coin. Nos trottinettes sont là. Et en plus, c'est une belle piste cyclable sur le faire ça. Là, ça fait à peu près une vingtaine de minutes qu'on roule.
Puis j'ai décidé de montrer ça. Là, on va aller à l'intérieur. On ouvre mon chum, il vient juste de m'ouvrir la clôture. Puis c'est ça. Ça, c'est le terrain de tennis de Saint-Amable. Vous pouvez venir ici en tout. Il y a des cours réguliers. Ben, il y a aussi des cours, puis il y a aussi. Vous pouvez aussi venir jouer à l'air libre. Vous avez des toilettes, mais je vous conseille pas. Hein? Puis vous avez des racks à vélo. Et juste ici, vous pouvez accrocher vos vélos. Les enfants peuvent jouer là. Il y a la piste cyclable de l'autre côté. Il y a même une table de pique-nique que vous pouvez faire un pique-nique. C'est ça, là. Ça, c'est une des places que c'est comme. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se demande, comme c'est une petite ville, il n'y a pas assez d'activités, tu sais, pour les enfants et tout. Mais tu sais, il y a beaucoup de parcs, puis il y a beaucoup de. Attendez un peu la partie de demain, vous allez voir, on va vous amener au parc. Cela, ce qu'on va faire, on va. Je vais arrêter le vlog pour l'instant. Puis on va aller vous montrer une belle vue d'un champ. So, à tout de suite. On a roulé pendant un autre 10-15 minutes. Alors là, je vais vous montrer une couple de places aussi pour les enfants. On a un des deux terrains de baseball à Saint-Amable. Ça, si vous savez, Saint-Amable, ils ont une équipe de baseball. Les autres sont connus pour le baseball. Alors, c'est situé juste à côté de l'école secondaire de Saint-Amable, puis juste en face du cimetière. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, le cimetière, avec mon chum qui va toujours exprès. Il y a. C'est ça. Ça, c'est le terrain de baseball. Ça, c'est l'école secondaire. Un peu plus loin, vous avez la piscine municipale que je vais vous montrer une autre journée. Puis la maison des jeunes où les jeunes aiment ça s'amuser. Alors, si je pose la question à mon chum, comme que lui, il vient là très souvent. D'après toi, il manque-tu des affaires pour les jeunes à Saint-Amable? Ouais, un petit peu, mais pas tant que ça, là. D'après toi, qu'est-ce qui manquerait à Saint-Amable? Une aréna? Il y a une piscine. Il y a deux terrains de baseball, il y a un skate park. Ah, c'est vrai, il y en a une aréna. C'est pas une aréna, mais c'est une patinoire là, l'hiver. Ah, c'est ça. Mais il y a beaucoup de monde qui trouve qu'il manquerait des jeux, il manquerait des jets d'eau. Parce qu'il y a juste un jet d'eau, puis tu sais, après une vingtaine, de près 10-15 parcs sites, puis il y a un jet d'eau. Tu sais, il n'y a pas vraiment grand chose pour les. Tu sais, vraiment grand chose pour les jeunes enfants. Ce que je trouve ça un peu plate. Mais tu sais, vous allez voir au courant des vlogs, ben, au courant du vlog, qu'il n'y a pas assez beaucoup d'affaires comme ça. C'est là, on va en rembarquer sur notre trottinette. Puis on va aller vous montrer le champ qui ressemble à une forêt le soir. C'est assez trippant. Ça, à tout de suite. Ça fait à peu près un autre 10-15 minutes qu'on est parti. On n'a pas voulu vous montrer les forêts parce que déjà, on va vous montrer quand même assez de forêts demain. Donc là, on est rendu dans le quartier résidentiel. Non, je ne montre pas les adresses. On est rendu dans le quartier résidentiel, puis il y avait une belle maison que je voulais vous montrer. Voilà la maison que je vais vous montrer. Ça ressemble pratiquement à un château. Je ne sais pas vraiment montrer les adresses parce que je n'ai pas le goût de me faire taper sur les doigts. Alors là, voilà comme un peu, c'est beaucoup, il y a beaucoup de forêts, il y a beaucoup, c'est comme, je ne savais pas, Saint-Amable au complet, c'était vraiment une forêt avant. Là, on va s'avancer un peu plus, là, puis on va s'enlever un peu de là, puis si je trouve quelque chose d'autre intéressant à vous montrer, je vais vous le montrer. Mais sinon, ça va aller à demain matin, parce qu'on a d'autres choses à faire pendant la journée, ça va aller à demain matin. On se voit demain, jour 2. Là, je ferme. On est toujours lundi, puis je m'avais dit que j'allais plus vlogger aujourd'hui. Mais là, en ce moment, je me retrouve au quai de la parc de la commune à Varennes. J'ai été faire un tour de bateau parce que mon ami avait un bateau. Là, j'essaie vraiment de trouver un peu de lumière pour pouvoir vous parler pendant un peu de temps. Puis voilà à quoi ça ressemble. Je vais faire tourner ma caméra, puis vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça, c'est le quai. Vous avez un petit bateau. Vous avez moi. Ça, c'est le fleuve Saint-Laurent, puis mon chum, puis mon ami sont quelque part là-bas. Alors, c'était vraiment pas intentionné de moi de vlogger cette partie-là de la journée, parce que je savais même pas qu'on y aurait été aujourd'hui. J'ai encore mon maquillage. Ce maquillage-là, vous allez le voir, c'est sur TikTok. C'est un petit challenge que j'ai décidé de faire, c'est faire mon maquillage en moins de 3 minutes, puis j'ai réussi quand même. J'ai dû prendre peut-être deux pauses, là. Mais tu sais, j'ai réussi à faire un maquillage en 7 minutes de temps. On va dire 7 minutes.
So, si vous voulez voir comment je fais ça sur ma chaîne YouTube, je vais pas vous faire ça, c'est comme un 7 minutes make-up. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, puis c'est vraiment beau, puis tout. So, là, c'est juste que je continue de regarder autour de moi. Tiens, je vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est un quai, c'est un petit bateau. Je vais montrer. Ça, je continue à profiter du temps. Je vais prendre des belles photos qui vont être disponibles sur mon Instagram. Alors, mes réseaux sociaux, comme d'habitude, sont marqués. Mes noms de réseaux sociaux sont marqués, comme d'habitude, dans ma bio. Pas dans ma bio, mais dans la description de la vidéo. So, sur là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente fin de lundi. Je sais que c'est ça. Puis, on se retrouve demain matin pour déjeuner. Puis se préparer à aller faire un pique-nique au parc du Rocher à Saint-Amable. Comme ça, on va pouvoir vous montrer un peu à quoi ça ressemble. So, on se retrouve pour la journée 2 demain. Hey gang, on est présentement mardi. Il est 10h42 à peu près. Là, je vais vous montrer ce qu'on est en train de manger à matin. On essaie de faire vraiment pas se santé puis manger au McDo parce qu'il faisait bien trop chaud. Et on a vraiment pas le goût de cuisiner quoi que ce soit. Ça rend encore plus chaud. Montrez ce qu'on a. Moi, j'ai pris un saucisse McMuffin sans fromage, une patate déjeuner, café glacé à la vanille. Et mon chum a pris des crêpes, bacon, patate, café. Puis on a aussi une guêpe qui est après nous autres. Puis moi, comme j'ai tout le temps extra faim, j'ai pris un saucisse McMuffin à part que je vais manger peut-être plus tard. C'est là le plan d'aujourd'hui, c'est pas vraiment faire grand chose. On va aller se baigner parce qu'il fait chaud. Puis hier on s'est tellement amusé sur le bateau, vous avez vu que j'ai vlogué un peu hier soir. C'était vraiment tough de vlogger hier soir à cause qu'il faisait noir. Mais c'est ça là-dessus. Je vais sûrement vlogger un peu tantôt, mais on va sûrement aller se promener, puis je vais pas vous montrer des beaux champs qu'on voit souvent. Puis demain, s'il fait pas trop chaud, on va aller vous montrer le parc. Mais sinon, on ira ce soir ou je sais pas quand. Ouais. Ça, c'est là-dessus, on va laisser là-dessus. Moi, on va manger, puis on va pouvoir aller à piscine. Parce que, comme je dis, il fait très chaud. Ben, il fait pas si chaud aujourd'hui, mais on est bien. À plus! La gang, ça doit faire à peu près une heure plus tard, puis j'ai pas pu rien d'autre vlogger parce que on faisait ben trop chaud. So, on est tout de suite revenu chez eux, chez mon chum. So, là, on est en train de se préparer, on va partir pour la piscine vers une heure. So, j'ai décidé de prendre un peu de temps juste pour vous faire une coupe d'annonces. Première des annonces, c'est que j'ai l'impression que je vais officiellement m'ouvrir une deuxième chaîne YouTube uniquement pour les vlogs. Tu sais, j'y passais droite, gauche pendant une couple de jours. Depuis hier, une couple de jours. Puis je me suis dit que oui, ça serait une bonne idée que j'ouvre une chaîne YouTube juste pour les vlogs. Mais je sais pas si si c'est une bonne idée ou non, ça va dépendre de voir qu'est-ce que le monde en pense. Puis les affaires de même, mais ce vlog-ci va être sur ma chaîne originale. Sur là, une autre annonce que je pense faire, je pense d'ici dorénavant, de pas mettre toutes mes vidéos maquillage en français, mais mettre mes vidéos à 80% en français puis 20% en anglais. Juste parce que j'ai pas goûté non plus parce qu'il y a beaucoup de mes abonnés, je sais pas si c'est vraiment le cas ou non, mais j'ai l'impression que beaucoup de mes abonnés ne parlent pas anglais puis tu sais qu'ils peuvent pas vraiment écouter mes vidéos. C'est pour ça que je suis en train de penser à mettre 80% en français et 20% en anglais. Qu'est-ce que d'autre que j'avais comme annonce? Vraiment, c'était à peu près tout. Je n'allais pas non plus faire une vidéo simplement sur ça. Ça, je vais écrire ça dans le vlog. Ça, là, pour l'instant, il est midi et 20. Je vais aller mettre mon maillot. J'aimerais vraiment ça pouvoir vous montrer mon maillot, mais je sais pas si c'est vraiment comme correct de montrer ça sur Internet. Mais, je sais pas. On a-tu le droit de montrer un maillot sur YouTube? Je sais pas, mais regarde.
En même temps, non, là, parce que j'aime vraiment pas mon corps. Si vous savez pas, j'ai une petite fille de 2 ans, puis depuis qu'elle est née, j'ai de la misère à m'adapter dans mon nouveau corps. Puis ça a été très très dur pour moi d'essayer ça, comme de mettre des chandails Bennett, des shorts, à faire de ma mère. Là, tu sais, c'est récemment j'ai commencé à comme plus m'aimer à qui je suis, puis commencer à mettre du linge que je mettais pas avant, des types de linge que je mettais pas, comme des robes, tu sais, comme super moulantes, à faire de la même chose, je mettais vraiment pas ça avant. Avant que j'avais ma fille, oui, ça c'était sûr, mais là, depuis que je l'ai, non. Ça, c'est ça. Ok, je vais vous amener avec moi, puis je vais aller me préparer, je vais aller me laver le visage. Parce que comme qu'on a été manger de la nourriture graisseuse, je veux juste... Tiens, là, je vous ai mis dans un rouleau de Scott Towel. J'ai mon affaire, ça va bien aller. Je vais utiliser... Qu'est-ce que je vais utiliser?